Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Chroma Squad, le tactical RPG de la chaîne. Nous chargeons la partie, nous chargeons les Mighty Morphin Playroom. Je vais relever mon écran, hop, voilà. Et nous voilà partis donc pour l'épisode 4 de la saison 2, chers amis. Il me semble que nous avions fait le tour, on a de l'argent quand même en quantité assez intéressante. Voyons voir simplement, donc il me semble que lui aussi il a... Alors, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut justement? Il a pas les bobottes. Ah mince, j'ai fait un buy une équipe alors que j'aurais peut-être dû... Comme ça c'est pas plus mal. Ah mince, on n'a pas assez d'argent, j'ai pas fait attention. Hop, actors. Équipement. Équipement. Voilà, c'est ça. Crac. Voilà. Donc il y a toujours que elle qui n'a pas encore de costume adéquat. Hop. Ah, elle a plus de counter, donc on va le mettre. Là, elle a plus de... Bon, bah voilà. Bon, bah chers amis, on est bon normalement. De toute façon, avec le peu d'argent qu'on a, on va pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Je ne sais pas qu'on avait un camion ici. L'enregistrement du prochain épisode. Dans cet épisode, les bonus rangers vont faire face à un monstre mystérieux créateur de portail. Ou venant d'un portail, je ne sais pas. Et au passage, enregistrer un épisode sous le soleil ne semble pas être une bonne idée quand on sait que les températures sont, quand on sait que les températures sont aussi hautes. Donc du coup il faudra que je crée à peu près 250 de îles. Vache. Bon bah écoutez, on va le faire. PPPDP. D'accord. Donc le narrateur n'a pas trouvé de réponse à faire. Test, test, test. J'espère que vous n'entendez pas ce bruit de merde, chers amis, ça commence à me gonfler cette histoire de travaux. Ok, notre narrateur, le système de narration est de retour sur ses rails. Désolé pour le fait que ça a planté. Le système de narration des bonus rangers est de nouveau opérationnel. Wooly, je sais pas ce que ça veut dire. Plus ou moins opérationnel. Et apparemment, il n'arrive toujours pas à appeler certains mots. Mais je pense que je vais juste faire comme si c'était rien. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'enregistrer un épisode sur les toits alors que la température est si grande? White, alors que c'est red normalement. Parce que c'est toujours mieux que quand il pleut. Allez, allons-y, il a raison, il a raison. Il a entièrement raison. Les Sanjas sont arrivés sur le toit et ont trouvé quelques étranges portails tout autour. Il y a des écureuils qui en sortent, des oiseaux aussi. Je crois que j'ai pas eu le script pour cette partie. On est censé dire quoi? On improvise, comme ça. Ne laissez pas s'approcher des portails. On peut les avoir. On dirait que les monstres sont apparus pour défendre les portails. Ou alors ils suivaient juste les bonus rangers. On dirait que nous sommes entourés et la seule option que nous avons est de combattre tout le monde jusqu'à y arriver. Génial. Tu m'étonnes. Les minions ne sont pas notre seul problème, Black. Regardez, qu'est-ce que c'est que ces choses? Des portails? Ah! Et pour y parvenir, ils vont devoir détruire les portails qui continuent, qui font en fait, qui rendent en fait des zones d'invasion, de zones d'apparition de monstres. Ok, d'accord.
Seront-ils capables de le faire à temps? Il a répondu à ma question. Ça répond à ma question. Merci, narrateur. Oh! Attends une seconde, t'étais pas dans le script. Qui es-tu? Est-ce que ça compte vraiment? Je suis ici pour vérifier que tout va bien selon mes plans. Tout s'accorde bien à mes plans. On se reverra plus tard. C'était bizarre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plus vite seront détruits les portails, plus vite on pourra rejoindre dans la prochaine scène. Parfait. Et il n'y a pas de problème de tour. Bah écoutez, on va se mettre là. All hail Marcus. Peut-être pas un ennemi, hein, je me trompe peut-être. Du coup, on va attendre un petit peu. Hop, boum. Boum. Alors là, est-ce qu'on peut par exemple faire Circle of Friendship? Voilà, on a eu le truc, c'est parfait. Maintenant, de là à buter 10 ennemis. Ah, c'est quoi ça? Alien Nutcracker. C'est que ça a l'air sympa, dis-moi. Ok, ils sont balèzes. Ok, bon, parfait. Oh, il a counter en plus. Multishot, je crois que je touche pas. Ouais, je m'en doutais. Bon, j'ai truc de choses, alors c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va quand même mettre le heal derrière nous. Hop, voilà, ça heal un peu tout le monde. Oh, bouffe. Le jaune qui lui renvoie un coup dans la gueule. C'était tellement propre. Allez, bouffe. Voilà, Black qui te permet d'en tailler un en pièces en un seul tour, parce que voilà, Black est différent. Black n'est pas comme nous. Bon, niveau PV, ça va encore. Il looken. Autour de l'ennemi. Oh, la rose qui esquive allègrement le coup. Et boum! Oh, pile devant vert en plus, si c'est pas parfait. Lui qui permet de faire son petit massacre habituel. Hop! Alors ça c'est green. Voyons voir ce qui se passe. Ah, je n'ai pas de quoi. Je n'ai pas de quoi le détruire en un tour. Pourquoi pas? Pinky qui se permet de taper comme une tigresse. Oula, j'en connais un qui a fait un malin plaisir à tout dégommer. Vous voyez les deux par là. Qui sont plus ou moins doués en arts martiaux. Ça pourrait être utile. Hop. Voilà, c'est fait. Petit coup de heal dans ce coin là. Il a pété son costume, le pauvre. On va se mettre là. Même là. Très précisément. Juste pour voir. Est-ce que je peux stun ce truc là? Non, d'accord. Toujours bon à savoir. Hop.
On approche tout le monde. Crac. C'était pas la classe, chers amis. Et boum. Alors, le petit dernier. C'est Black. Vous voyez Black finir l'ennemi en un seul coup. Enfin, un seul, plus ou moins. Hop, ça devrait suffire. Même pas. Ah, dommage, j'aurais bien aimé avec un shot. Pas grave. Bon, bah tant pis. On va faire avec, et voilà, c'est pété. Hop les. Et les bonus rangers ont encore sauvé la journée. Mais attendez une minute. D'où venaient ces portails? Et d'où venait ce monstre? Je pourrais passer toutes mes journées à juste taper sur ces nouveaux minions plutôt que de détruire des portails. J'imagine que les portails étaient un bon ajout à cet épisode. Mais à propos du tir, c'était un peu bizarre. J'en ai aucune idée. Le costume était trop bien fait pour être du studio de Dr. Mia. Ha ha ha, je te donne ce point, Green. T'as raison. Bon, bah au moins au final, on a pu enregistrer un bon épisode. Ok, c'est tout. Oh, polyester. Encore une bonne quantité d'argent et une bonne quantité de fans. 200 de plus. Est-ce qu'on peut encore rajouter? Non, je pense pas qu'on puisse encore rajouter un autre truc à notre studio de marketing. Ah si, on peut. Celui-là, on va mettre. Pas de sujet. Ah, je crois que c'est le monsieur qui nous a parlé du commandement des extraterrestres. Bon, ok, pourquoi pas. Chris Shell at superfan.com. Hello les bonus rangers, comment vous allez? Petite intro, donc je m'appelle Chris Shell, je suis un programmeur de jeux vidéo et je suis super fan de Sentai, d'anime et tokusatsu, etc. D'accord. Je crois que j'ai une sorte de pouvoir qui me permettrait d'avoir une bonne intuition. Je pourrais être un super héros, mais pour l'instant je suis juste un développeur de jeux, quoi qu'il en soit. J'ai toujours ce sentiment pour vous. Que vous allez rapidement combattre un... Enfin, that you will soon fight TV monster. Alors soit il veut vraiment parler de TV monster, donc du studio, du projet studio. Et quelque chose va aller vraiment va être vraiment mauvais. Donc je sais que ça peut être bizarre, mais j'aimerais que vous soyez encore alerte juste au cas où vous auriez besoin d'un peu d'aide. That's a bit. Free Stalker Bodyguard, it's a deal, it's a bit too weird. Bon, c'est vrai que c'est un peu weird. Surtout de la part d'un programmeur de jeux vidéo, je comprends pas trop ce qu'il veut en fait. Bon. Un peu trop bizarre, désolé. Regarde, voyez, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu ce sentiment, j'ai eu cette impression et que je veux vous aider. Je ne vous décevrai pas, Bonus Ranger. You have failed this city. Voilà, pour la petite référence. Hop, pourquoi pas, mecha. On n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser le bazooka. Il y a dommage d'ailleurs. Au niveau des crafting, voilà. Matériel recyclables. Alors, voyons voir.
Donc ça, on n'a pas eu de chance du tout sur celui-là. Parfait. 2500, non. Craft, qu'est-ce qu'on peut crafter déjà de base? Ça, c'est nouveau ça. Pourrait être sympa ça. Pourrait être sympa. Gagne en attaque, par contre il perd en santé. Bah écoutez, on va le mettre à lui hein. Hop. Ah, ça peut être intéressant aussi ça. Hop. On va déjà partir là-dessus, chers amis, je pense. Sauf si quelqu'un d'autre en veut un, je pense qu'on pourrait en donner un autre à... Hop. Voilà. Et juste pour voir, on va aller voir la tronche qui se tape maintenant en costume. Bah, il n'y a pas de changement, en fait, apparemment. Ok, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous laisse sur cette petite vision de l'épisode final. Donc le premier épisode sera l'épisode final de la saison 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.